Et Vettel qui va arborer un casque Red Bull chez Aston Martin. Oh non. Oh là là. Mon Dieu. Terrible. Alors il n'a pas marqué Red Bull, mais bon, hein, voilà, on sait, c'est le logo. Et c'est la police d'écriture, on sait très bien. Puis même les couleurs, hein, couleur canette. Ah bah ils apprécieront Aston Martin du coup. Pour rendre hommage à Dietrich, cofondateur de Red Bull décédé, donc il va arborer ce design spécial là, au Mexique. On pourra voir le message d'un que Didi. On retrouve évidemment le taureau rouge sur fond jaune. Nul doute qu'Aston Martin n'a pas eu son mot à dire face à son pilote. Ouais, bon. De toute façon, ils se barrent, hein, ils s'en foutent au pire. Hein. Après, voilà, moi je serais le patron d'Aston. Honnêtement, j'aurais dit non. Désolé, mais tu fais un truc plus sobre, tu mets pas les couleurs du concurrent sur ta tête. Hein, désolé, t'es chez Aston, t'es pas chez Red Bull, mec. Hein. Je veux bien que tu rendes hommage, mais bon, là, reste avec des couleurs neutres, on va dire. Même s'il met dans le que Didi, à la limite, pourquoi pas. Mais là, désolé, c'est un peu déplacé par rapport à la marque, je trouve. Mais bon, après, c'est mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.